Revelio. Est-ce possible? Un visiteur? Oh! Ah! Ah! Je suis Richard Chouka. J'étais élève ici, comme vous, il y a un siècle. Comment avez-vous fait pour trouver ce lieu? C'est un elfe prénommé Scrop qui m'envoie. Il a dit que je trouverais un anneau de la famille Black ici. Ah! Je vous demande pardon, mais j'ai vendu l'anneau il y a longtemps. Pauvre Scrop. Il doit encore pleurer à Polonia. Je ne lui jette pas la pierre. J'ai volé tous ses trésors uniquement pour l'impressionner. Mais en vain, hélas. J'ai pensé qu'une carte secrète chapardée à Peeves piquerait sa curiosité, mais elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi l'embêtais-je avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre? C'était assez gênant. Je peux les avoir? J'aimerais récupérer ces pages si ça ne vous fait rien. Je ne les ai plus. J'ai pensé que si Apollonia se fichait de la carte en elle-même, peut-être me mènerait-elle vers quelque chose qui l'intéresserait. Alors, j'ai suivi la carte jusqu'à arriver dans une sorte de grotte enchantée. Et puis, vous devinez ce qui s'est passé ensuite. J'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène là où se trouvent les pages? Je vous rejoindrai dans la forêt. Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages, je vous rejoindrai dans la forêt. Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet. Si la vue de... eh bien, de mon squelette décapité ne vous gêne pas, elles sont à vous. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Comment as-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami. Revelio! Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au bave-boule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Ominis de protéger sa famille. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. Revelio! J'ai rencontré Ominis dans notre salle commune. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne. Et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Bien sûr. Ominis m'a parlé de sa famille quand on s'est rencontrés. Dire qu'il ne les apprécie pas, c'est un euphémisme. Ravi que tu comprennes. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits? Vraiment? Comme quoi? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés. Pas interdit. Pour être honnête,
J'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Tu progresses ? Tu veux faire un essai pour de vrai ? Vise seulement les cibles, en revanche. Mieux vaut ne pas en donner... Revelio ! Essaie sur ces candélabres. Confringo ! Bravo ! Comment tu te sens ? Ça brûle un peu. Voilà ! Je crois que j'ai compris. Bravo ! Revelio ! Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. L'explosion produit beaucoup de chaleur. Ça m'étonne pas pour vos sourcils. Tu finiras par t'y habituer. Avec Anne et Ominis, on s'entraînait ici pendant des heures. La crypte était notre refuge. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure ? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit, à propos du Port-au-Loin, de Gringotts et de Ranrock. Eh bien, rien ne t'échappe. Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. À ton tour maintenant. Très bien. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne ? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Franchement, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne qui échappe aux autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie ? Je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraider. En attendant, puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Revelio ! Salut, Sébastien. Attends... Toi, là. Je t'entends. Oh, bonjour, Ominis. J'allais à notre salle commune. Je reconnais cette voix. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte ? Comment tu as fait pour entrer ? Cette salle s'appelle la crypte ? Ah, j'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas ! Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça ? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Fais-moi confiance, Ominis. Je ne dirai rien. Et Sébastien est un ami fidèle.
Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Hominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon. Rebellio. Alors que les loups-garous ont rejoint les loups-garous. Revelio. Professeur Weasley ? Mieux vaut éviter d'être vu. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Entrons. Après vous, professeur. Cet endroit. Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Rebellion. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chic? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chic, professeur ? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Revelio. Oh ! Ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Superbe. Maintenant, lancez Evanesco sur ses chaises. Excellent travail. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Par Merlin, où se trouve cet elfe ?
Est-ce bien ? Par Merlin ! Ma vieille sacoche ! Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs ? Nous parlerons plus tard. Chip ne devrait plus tarder. Oh, oui, professeur. Bonté divine, pourriez-vous faire moins de bruit ? Révélio ! Nous essaie de se reposer. Révélio ! Action ! Révélio ! Révélio. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Attention, arrêtez cette personne. Révélio. Mais non, va. Ça ne sert à rien, ça, cette espèce de tas de ferraille. Révélio. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Révélio. Qu'est-ce que c'était ? C'était un vif d'or ? Révélio. Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Action ! Révélio. Les vieux sont. Révélio. Action. Les vieux sont. Action.
Revelio. Les Glosso. Revelio. Levioso. Leviosa. Action. Revelio. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Hé, attention! Hein? Oh, vous êtes là! Attendez ici, Chic va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chic, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chic était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chic est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chic est ravi de vous rencontrer. Chic est mon ami depuis ma deuxième année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chic. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chic, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chic a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Oh, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux.
et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Révélio. Excellent. Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. Le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. L'invocation ? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Révélio. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions à Préolard ou dans la nature. Ah.
est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Je ne manquerai pas de parler à Chic en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Quelques tâches préalables, venez me voir après les cours. J'aimerais commencer la leçon suivante, professeur. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. Revelio. Je n'avais jamais vu autant de plantes. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup. Demandez, professeur. Bien, la leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. Thank you.
opération à la suite. J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur ? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Visez un objet invoqué avec... magique. Et lancez le sortilège d'altération pour le personnaliser. Revelio. Revelio. Action. Revelio. Action. Action. Thank you.
Je pense que nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle. Essayez ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon. Essayez d'utiliser le sortilège d'altération en visant le sol ou le balcon. Rebellion. Essayez d'utiliser le sortilège d'altération en visant le sol ou ce balcon. Rebellion. Vous ne pensez pas ? Chick, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous ?
J'aimerais que la salle soit étrange et mystérieuse, comme si je me trouvais au milieu des ombres de la forêt interdite. Ça semble parfait. Cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chic d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créasorts. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. Revelio. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous? En fait, peut-être un autre jour.